Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool au Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est de consommer à la fois une mini potion de bouclier et un poisson bouclier. Alors pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille c'est d'aller au lac des canoës, donc là où je me trouve, donc juste ici sur le gameplay. Voilà, vous vous rendez à cet emplacement là, ensuite vous cherchez après une canne à pêche, voilà comme ceci. Vous pouvez prendre aussi un harpon ou une canne à pêche pro, peu importe. Et là ce que vous allez faire c'est chercher après d'abord un poisson bouclier. Donc vous pêchez dans des coins de pêche, donc là où vous voyez des petits ronds là avec des poissons. Vous pêchez jusqu'à temps que vous pêchez un poisson bouclier, donc là c'est ce que je vais faire. Après, vous pouvez pêcher avec l'harpon aussi, ça va aussi super vite. Regardez, vous tirez, hop. Là, j'ai un poisson bouclier. Je pense qu'un bleuvageon, c'est un poisson bouclier. Je ne peux pas accéder à ma collection de poissons. Je vais quand même vérifier. Alors, un poisson bouclier. Donc, voyons voir si je trouve un poisson bouclier. Ah, un poisson bouclier, voilà à quoi ça ressemble. Donc, ce n'est pas un bleuvageon. Donc, les bleuvageons ne sont pas comptabilisés comme des poissons boucliers, à mon avis. Donc il faudra vraiment trouver un poisson bouclier. Là hop, poisson piment, non. Donc ouais, c'est vraiment ces 5 poissons là, 1, 2, 3, 4, 5 poissons là. Il faudra trouver un des 5 poissons pour pouvoir terminer le défi. Donc là je vais retourner en labo de combat et je vais essayer de chercher après un poisson bouclier. Ok, donc je retourne au lac des canoës. Donc je prends une canne à pêche. Franchement des cannes à pêche il y en a partout hein. Je vais déjà vous montrer tous les emplacements des cannes à pêche. Donc il y avait un emplacement là. Il y a un emplacement juste là. Il y a un emplacement ici, voilà, il y a un emplacement sur le petit truc là-bas, voilà, il y a deux emplacements de tonneaux de pêche là-bas et là-bas, et il y a je pense 2-3 tonneaux de pêche qui sont dans la maison jaune là-bas. Donc si jamais vous ne trouvez pas de canne à pêche ou que quelqu'un est déjà passé par là avant vous, n'hésitez pas à aller fouiller les autres emplacements. Donc là, bah maintenant, hop, je retourne à des coins de pêche, donc là où il y a des poissons et des ronds, donc des ronds dans l'eau, qui sont formés par les poissons. Boum, je pêche et là je vais essayer de pêcher un poisson bouclier. Ok, regardez, là j'ai pêché un poisson bouclier normalement. Ça c'est un poisson bouclier, donc parfait. Donc maintenant quand vous avez un poisson bouclier, vous pouvez déjà le consommer hein, parce que vous êtes le défi va vous demander de consommer un poisson bouclier et une mini potion. Mais vous pouvez le faire en plusieurs parties. Donc dès que vous pêchez un poisson bouclier, ce que vous faites, c'est que vous le mangez directement. Comme ça, vous validez déjà une partie sur deux du défi. Donc là, maintenant, ce que vous devez faire, c'est chercher après une petite potion. Donc les petites potions, bah, vous pouvez les trouver dans des coffres hein, ou tout simplement poser au sol par terre. Et vous pouvez même en acheter dans des distributeurs automatiques si jamais. Donc là, je vais chercher après mon petit... Ah oui, c'est vrai, attendez. Je pense qu'il y a aussi ça qui donne des poissons. Ouais, ça peut aussi, les frigos comme ça là, les congélateurs, ben, peuvent vous donner aussi des poissons boucliers si jamais. Donc là, je vais chercher après une petite potion. Ok, donc là, j'en ai trouvé, hop, je prends la potion. Et là, ben, je peux pas la consommer parce que j'ai 50 de shield, donc il faut que je me blesse. Je peux pas me blesser, m'infliger des dégâts parce que ben, ça ne fonctionnera pas. Donc, je vais chercher le sanglier, j'ai vu que... Ah bah il y a des loups là-bas justement. Bah, ou même le sanglier, il va m'infliger des dégâts dans mon bouclier normalement. Hop, voilà. Donc maintenant je consomme ma petite potion et là j'ai terminé le défi. Donc voilà, j'espère que ce petit guide bah, vous aura été utile. Si c'est le cas, bah, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao. Peace.